Bonjour et bienvenue dans ce cours intitulé « Électrocinétique ». Alors, de quoi va-t-on parler lorsque l'on parle d'électrocinétique ? L'électrocinétique est une branche très importante des sciences physiques qui étudie, comme son nom l'indique, l'électricité en mouvement. Le mot même d'électrocinétique est un mot composé, électro-électricité, et cinétique, mouvement. Donc, c'est une branche des sciences physiques très importante puisqu'elle va nous permettre de comprendre le fonctionnement et les lois qui gouvernent la plupart des circuits électriques. Nous allons restreindre notre étude de cette électrocinétique à l'électricité électrique en mouvement dans les solides. En effet, on le sait, dans la plupart des circuits électriques, nous rencontrons des dipôles qui sont des solides, on peut voir des résistances, des diodes, des lampes, ce sont des solides et ces dipôles sont reliés par des fils de connexion. Ces fils de connexion donc, sont constitués de corps conducteurs métalliques tels que le cuivre, là encore un solide. Et donc on va dans un premier temps essayer de comprendre un petit peu comment l'électricité se déplace à l'intérieur de corps conducteurs solides. Une fois que nous aurons un petit peu compris comment cela se produit, comment ce déplacement d'électricité se produit à l'intérieur des corps solides, eh bien on essaiera de voir quelles sont les grandeurs physiques caractéristiques qui vont nous permettre de comprendre quelles sont les lois qui gouvernent le déplacement de ces charges électriques à l'intérieur de ces corps solides. Alors ces grandeurs caractéristiques, vous les avez lues donc dans le sommaire. Nous allons étudier dans un premier temps une grandeur caractéristique que vous connaissez tous, qui s'intitule l'intensité du courant électrique, suivie de la tension électrique, qui est une notion un petit peu plus complexe, peut-être un petit peu plus abstraite. Donc nous la rendrons plus concrète de façon précise pour que l'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, nous verrons donc la notion de puissance électrique. Et une fois que nous serons munis de ces trois grandeurs physiques, eh bien, nous étudierons deux lois qui ne sont autres que la loi d'Ohm. Et la loi d'Ohm généralisée, ce sont les deux lois principales qui vont nous permettre de faire la plupart des calculs nécessaires à la compréhension des circuits électriques. Alors un petit rappel sur ce que c'est que l'électricité. Alors l'électricité est un phénomène physique qui est connu depuis très longtemps, puisqu'il est connu depuis l'Antiquité grecque. Le mot même d'électricité provient d'un mot grec qui signifie « ambre » et les Grecs savaient réaliser de petites expériences avec cet ambre qui n'est autre que de la résine fossilisée. Et ces phénomènes électriques ont longtemps intrigué, mais n'ont pas été étudiés de façon sérieuse jusqu'au début du XVIIIe siècle par un Français, François Dufay, donc, qui a réalisé toute une série d'expériences qui lui ont permis, dans un premier temps, d'observer qu'il existait deux types d'électricité. L'électricité qu'il a qualifiée de vitreuse, qui apparaissait au bout de morceaux, de baguettes de verre frottées, et l'électricité résineuse, deuxième type d'électricité différente, qui apparaissait au bout de morceaux de résine frottés par exemple par une peau de chat. Il n'existe pas de troisième type d'électricité, on n'en a pas découvert, il n'existe que ces deux types d'électricité. Et donc ces deux types d'électricité, à notre époque, ont été rebaptisés donc, par les termes de électricité positive, pour désigner l'électricité vitreuse, et l'électricité négative, pour désigner donc l'électricité résineuse. Donc ces deux types d'électricité ont été découvertes par François
du fait. Au début du XVIIIe siècle. Alors, à partir de là, un autre scientifique a étudié donc cette électricité, et notamment l'électricité qui circule à l'intérieur des corps solides. Ce Français, donc, qui a étudié ces phénomènes de courant électrique, n'est autre que André-Marie Ampère. Donc, un scientifique français donc, qui a étudié les courants électriques à l'intérieur des solides, ceci vers la fin du XVIIIe siècle. Alors, pour étudier les courants électriques à l'intérieur des solides, il faut disposer d'un système qui permette de générer ces courants électriques, et ce système n'est autre que la pile, hein, qui a été donc présentée pour la première fois au milieu du XVIIIe siècle, donc entre ces deux scientifiques. Nous avons donc la pile de Alessandro Volta. Voilà, donc, qui se situe entre ces deux scientifiques. Alessandro Volta donc, fabrique sa pile, la présente à l'Académie des sciences, institution qui a été fondée par Napoléon. Et cette pile donc, permet de générer des courants électriques continus à l'intérieur des solides. Ce qui permet donc à André-Marie Ampère d'étudier ces courants électriques qui se déplacent à l'intérieur donc, des solides tels que des fils de connexion ou des dipôles électriques, les dipôles électriques de l'époque. Hein. Évidemment, la lampe n'existait pas, mais il existait d'autres types de dipôles. Et donc, André-Marie Ampère va être le premier à étudier donc, ces courants électriques à l'intérieur des solides. Comment va-t-on modéliser les courants électriques à l'intérieur des corps conducteurs solides? Eh bien, l'électricité qui circule à l'intérieur des corps conducteurs solides est transportée par une petite particule que vous connaissez, c'est l'électron. Quelles sont les caractéristiques de l'électron? Eh bien, sa masse est très petite, 10 puissance moins 30 kg. Sa taille est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire un fermi. Et la valeur de sa charge électrique, qui a été mesurée au début du XVIIIe siècle par Charles-Augustin Coulomb, a une valeur de moins E égale moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 Coulomb. Hein. Coulomb a laissé son nom à la valeur de la charge électrique qu'il a mesurée. Donc tous ces électrons, toutes ces particules, sont toutes identiques. Hein. Elles ont toutes la même masse, toute la même charge et toute la même taille. Je les ai donc représentées ici comme des particules de matière qui ont toute la même taille, hein, et toute la même charge. J'ai marqué la charge de temps en temps, elle est la même. Et ces particules donc vont être animées d'une vitesse à l'intérieur du corps conducteur solide. Alors ici, mon corps conducteur est un solide qui pourrait être, pourquoi pas, un fil de cuivre, un fil métallique, c'est un solide. Et donc ces électrons vont être capables de se déplacer au travers du réseau d'atomes qui constitue notre solide parcouru par ce courant électrique. Alors, une des premières hypothèses qui est tout à fait plausible, et qu'a fait donc Ampère, c'est d'imaginer que ces particules ont toutes la même vitesse. En effet, il n'y a aucune raison de supposer que certaines particules se déplacent en moyenne plus vite que d'autres à l'intérieur du corps conducteur. Donc, j'ai représenté cette vitesse hein, par une flèche en vert, et cette vitesse donc est la même pour toutes les particules. Donc ces particules vont se déplacer, chacune de ces particules transportant une certaine quantité d'électricité, eh bien nous allons avoir un courant d'électricité
de l'électricité en mouvement à l'intérieur de notre corps conducteur. Alors un détail important que l'on doit évoquer maintenant est le suivant. J'ai parlé du courant électrique précédemment comme étant un courant constitué d'électrons dont les caractéristiques sont ici, que j'ai représenté ici sur le schéma. Ce courant, c'est véritablement le courant qui existe dans les solides. Alors il faut se remettre un petit peu à l'époque d'André-Marie Ampère. André-Marie Ampère, à son époque, n'a pas les moyens techniques pour déterminer si le type d'électricité qui circule dans les solides est de l'électricité positive ou négative. Il doit donc faire un choix, et le choix qu'il fait, c'est d'imaginer que le courant électrique circulant dans les solides est un courant d'électricité positive. Nous allons raisonner de la même façon qu'André-Marie Ampère sur un courant d'électricité positive que l'on va qualifier de courant imaginaire, puisque, on le sait, le véritable courant est un courant d'électrons. Alors, comment va-t-on devoir modifier le modèle qui correspond à la réalité pour pouvoir utiliser le modèle d'André-Marie Ampère? Eh bien, nous avons le tableau ici avec les correspondances. Le courant réel, le voilà. Il est constitué donc de particules qui ont des charges négatives, les électrons qui ont cette valeur-là. Eh bien, le courant d'André-Marie Ampère devra être conçu comme un courant constitué de charges positives qui ont la même valeur absolue que celle de l'électron, mais évidemment, comme je le citais, une charge positive. Ensuite, en ce qui concerne la masse et le diamètre, eh bien, les particules imaginaires du courant imaginaire d'André-Marie Ampère ont les mêmes valeurs, c'est exactement pareil, la même masse, le même diamètre, et la vitesse sera la même, mais pour pouvoir faire des raisonnements corrects avec ce modèle-là, il faudra imaginer que la vitesse, bien qu'elle soit exactement la même que celle des électrons, est une vitesse qui va être opposée à celle des électrons et sera dirigée dans notre sens. Donc nous raisonnerons sur ce courant imaginaire, constitué de particules imaginaires qui auront ces caractéristiques-là. Et donc je vais modifier mon schéma qui représente mes électrons pour lui donner l'apparence donc de ce nouveau modèle. Le premier modèle qu'a imaginé André-Marie Ampère, le modèle du courant imaginaire. Alors voilà, j'ai modifié mon schéma qui précédemment représentait le courant réel. Et bien ici, mon schéma représente désormais le courant imaginaire. Donc les masses et les diamètres des particules sont les mêmes. Par contre, j'ai modifié la valeur de toutes les charges. Les charges ont la même valeur absolue, mais elle est désormais positive. Toutes mes charges ici sont positives. Ce sont donc des charges imaginaires. Et la vitesse est exactement la même que celle des électrons, c'est-à-dire du modèle précédent. Mais la vitesse donc est opposée à celle des électrons. Et désormais, mes charges ne vont plus de la droite vers la gauche, mais de la gauche vers la droite. Nous raisonnerons donc sur ce modèle-là, le modèle imaginé par Ampère, le modèle donc du courant imaginaire constitué de particules imaginaires. Et je répète, cela ne changera absolument rien dans les calculs, dans les raisonnements, et même apportera quelques simplifications du fait d'un raisonnement sur des charges positives. André-Marie Ampère, désormais, veut calculer l'importance des courants électriques à l'intérieur des corps solides. Pour cela, il doit créer une nouvelle grandeur. Cette grandeur, il va la baptiser intensité du courant électrique. Et pour définir cette intensité, André-Marie Ampère va penser à la notion de débit. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un débit. Si je parle par exemple d'un débit d'eau, si je dis le débit d'eau vaut 30 litres par seconde, tout le monde comprend qu'en une seconde, il s'est écoulé 30 litres.
et je vais pouvoir comparer un débit à un autre. 30 litres par seconde, c'est plus petit que 5 litres par seconde. Donc un débit permet de quantifier une certaine quantité qui s'est écoulée dans une certaine durée. Donc un télémariampère va faire la même chose, mais le débit dont il va parler sera un débit de charge électrique, puisque le courant électrique, sa principale propriété, c'est la quantité d'électricité qu'il transporte. Donc la définition que va donner André-Marie-Ampère, donc j'ai écrit avec trois traits, c'est tout simplement par définition, l'intensité, donc c'est la quantité de charge électrique en coulomb. Donc ici, nous avons des coulombs qui auront traversé une section d'un conducteur durant une durée delta t qui sera mesurée en secondes. Donc l'intensité se présente donc comme un débit de charge électrique. Alors juste pour préciser, la section est une section droite, c'est une section en coupe perpendiculaire à mon corps conducteur, ici que j'ai représenté par un fil de connexion. Donc l'intensité représente un débit, donc son unité, ce sont des coulombs par seconde. Évidemment, tous les physiciens ont un certain ego, aiment laisser leur nom à la postérité. Eh bien, les coulombs par seconde, André-Marie Ampère va leur laisser son nom et on va rebaptiser cette unité comme étant des ampères. Donc les ampères ne sont autres que des coulombs par seconde, c'est-à-dire une quantité d'électricité ayant traversé une section durant une durée, d'accord. Et donc, nous aurons une notion de débit d'électricité. Alors maintenant que je dispose d'une grandeur que l'on appelle l'intensité du courant électrique et que l'on a défini comme débit de charge électrique, on va évaluer cette quantité-là, ce débit, en fonction des grandeurs constantes du matériau. Alors mon matériau, c'est quoi? C'est un solide. Je peux imaginer que mon solide est du cuivre et que ce morceau de cuivre a la forme d'un fil de connexion, c'est-à-dire d'un cylindre. Je peux imaginer aussi que ce fil de cuivre a tout le temps la même forme, donc sa section reste la même tout le long du fil, et donc la section S est une constante que je pourrais évaluer, pourquoi pas, à 1 mm carré. Okay. Deuxième grandeur très importante de mon matériau, eh bien, c'est petit n. Que représente petit n? Petit n représente une densité de particules. Ça veut dire quoi, une densité de particules? Eh bien, tout simplement, c'est un nombre de particules par unité de volume. De quelles particules je parle? Eh bien, tout simplement, des particules capables de transporter l'électricité. Le cuivre en possède donc une certaine quantité, une certaine densité qui vaut environ donc 10 puissance 29 particules par mètre cube. Voilà l'unité de ma densité. Alors, 10 puissance 29 particules, particules c'est un objet, c'est pas une unité, donc je marque rien. Mais par mètre cube, alors là, par contre, j'écris mètre moins 3. Donc ça, c'est la densité de porteur de charge à l'intérieur du cuivre. 10 puissance 29 particules capables de transporter l'électricité, libres de transporter l'électricité par mètre cube. Il est évident que, suivant le matériau que je vais utiliser, cette densité ne sera pas la même. Si je prends par exemple de l'or, dont on sait qu'il est meilleur conducteur, cette densité est plus importante. Si je prends par exemple du graphite, qui est moins bon conducteur que le cuivre, cette densité sera plus faible, elle aura une valeur plus faible que 10 puissance 29 particules par mètre cube. Alors comment se définirait donc une densité de particules? Eh bien tout simplement, une densité de particules, par définition, ça va être un nombre de particules que divise le volume qui contient ces particules. Voilà donc la définition de la densité de particules. Donc je divise un nombre de particules, donc c'est-à-dire un nombre sans dimension,
5 unités, par un volume qui lui a une unité, et mètre cube étant au dénominateur, eh bien ma densité de particules, eh bien, ça sera donc des rien par mètre cube, c'est-à-dire des mètres cubes moins 3. Voilà donc ma deuxième constante du matériau. Ma troisième constante, eh bien on le sait, hein, c'est la charge que transportent mes particules. Toutes mes particules transportent la même quantité d'électricité, on en a parlé précédemment, cette quantité d'électricité, elle est positive, hein, puisque ce sont des particules imaginaires du courant imaginaire, et donc cette quantité d'électricité par particule vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Ensuite, nous avons donc la vitesse des particules à l'intérieur, on le sait, c'est tout le temps la même. On a dit qu'il n'y avait pas de raison qu'une particule ait une vitesse moyenne qui soit plus grande qu'une autre particule, elles ont toutes la même vitesse moyenne. Pour le temps, cette vitesse ne nous est pas connue. Je ne donne pas de valeur, on verra qu'on pourra calculer cette valeur dans quelques instants. Donc voilà toutes mes grandeurs caractéristiques de mon matériau dans lequel circule un courant d'intensité I défini par un débit d'électricité, et nous allons exprimer donc ce débit d'électricité en fonction des grandeurs qui sont ici. Alors imaginons que l'intensité du courant circulant dans mon conducteur soit celle qui correspond au débit de charge mesuré donc ici à cet endroit, c'est-à-dire à la section S2. Donc j'écris donc I est égal à la quantité de charge ayant traversé S2 durant un temps delta t. Et imaginons donc que durant ce temps delta t, durant cette durée delta t, les particules qui ont réussi à traverser la section S2 sont des particules qui sont comprises entre S2 et une section que j'ai appelée S1. Donc, les particules qui sont à l'intérieur de ce volume-là, imaginons donc qu'elles sont donc un nombre grand N, dont la quantité de charge, ici, ayant traversé S2, donc c'est la quantité de charge transportée par les grand N particules, compris entre S1 et S2. Donc, que vaut cette quantité de charge? Eh bien, N fois plus E, puisque chaque particule possède la même quantité d'électricité, donc que divise delta T. Cette quantité-là, donc, nous allons pouvoir la calculer. Nous allons transformer, nous allons faire un changement de variable. Nous savons que petit n est égal à grand N sur grand V, ce qui nous permet d'écrire que grand N est égal à petit n que multiplie grand V. J'inverse cette équation et je fais un premier changement de variable qui me permet d'écrire ici que j'ai petit n que multiplie grand V que multiplie E, le tout que divise delta T. Imaginons donc que ce volume grand V, je veuille le calculer. C'est le volume qui se trouve entre ces deux sections-là. Donc c'est quoi? C'est le volume d'un cylindre. Le volume d'un cylindre, c'est surface de base que multiplie hauteur. Ici, la hauteur, je l'ai appelée petit l. C'est la distance qui sépare mes deux sections. Donc si je fais encore un nouveau changement de variable, je vais exprimer grand V comme étant égal au produit de la surface de base fois petit l que multiplie petit e, le tout que divise delta t. Si je regarde maintenant à l'intérieur de cette fraction-là, si je regarde la quantité qui est ici et que j'entoure, cette quantité, je vais pouvoir, par un nouveau changement de variable, l'exprimer de façon différente. Que vaut cette quantité? Donc j'ai dit que petit n, c'était la distance du volume qui contenait l'ensemble des particules qui ont été susceptibles de traverser la section S2 durant le temps delta t. Imaginons la dernière particule qui ait réussi à traverser la section S2. Elle se trouve donc exactement sur la section S1. Donc durant le temps delta t, cette particule, si
elle a été capable de traverser la section SE2, a dû parcourir la distance petit l durant la durée delta t. Or, petit l que divise delta t, c'est une vitesse, c'est la vitesse de ma particule. Et la vitesse de ma particule, on l'a appelée petit v, c'est la même pour toutes mes particules. Donc, nous en arrivons donc à... Alors, j'efface ça ici, je n'en ai plus besoin. Nous en arrivons donc à l'écriture de notre intensité, qui va s'exprimer comme étant égal au produit, donc, alors, ici, c'est toujours par définition. Ici, ce n'est plus par définition, puisque je fais des calculs. Donc, petit n, que multiplie grand S, la section, que multiplie L sur delta T, c'est-à-dire la vitesse de ma particule, que multiplie petit e, c'est-à-dire la charge d'une particule. Donc, j'aurais écrit ici le résultat. Je m'aperçois donc que j'ai pu exprimer l'intensité de mon courant comme étant égale au produit de la densité de particules, qui est une constante du matériau, par la surface, par la section donc, de mon matériau, qui est une constante, par la vitesse, qui est une constante du matériau, toutes les particules ont la même vitesse, et que multiplie donc petit e, qui est aussi une constante du matériau, toutes mes particules ont exactement la même charge. Voilà donc pour ce premier résultat. Alors imaginons que je veuille calculer la vitesse d'un porteur de charge dans mon fil de cuir. Comment je vais devoir faire? Tout simplement, je vais inverser mon équation. Donc, je vais écrire que V est égal à l'intensité que divise donc petit n fois grand S fois petit e. Donc, imaginons que j'ai un courant de 1 ampère. I égale 1 ampère, c'est une hypothèse que je fais. Il faut savoir qu'un fil de section 1 mm² peut supporter largement un courant d'intensité 1 ampère. Donc, I sera connu, petit n est connu, il est ici, petit s, grand S, la section est connue, et petit e est connu. Donc, si je veux faire le calcul, évidemment, il va falloir que j'utilise les valeurs numériques qui sont ici et que j'utilise les bonnes unités. Alors, si je fais ceci, donc V est égal à, alors l'intensité, c'est 1 ampère, donc c'est 1 ampère, je marque 1. OK. La densité petit n, donc, de porteur de charge pour le cuivre, c'est 10 puissance 29 particules par mètre cube. Donc, mètre cube, c'est une unité officielle, donc 10 puissance 29, ici, pour petit n. Pour grand S, donc, 1 mm carré, si on fait la conversion, eh bien, ça me fait 10 puissance moins 6 mètres carrés. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Pour passer de millimètre carré à centimètre carré, ben, ça me fait, je passe de 1 à 10-2. De centimètre carré à décimètre carré, de 10-2 à 10-4. Et de décimètre carré à mètre carré, de 10-4 à 10 puissance moins 6 mètres carrés. Donc ici, je remplace par 10 puissance moins 6. Et donc, la valeur de la charge, qui est marquée ici, 1,6 fois 10 puissance moins 19. Alors, je vous laisse calculer donc cette vitesse qui, évidemment, sera donnée dans les unités officielles du système international, c'est-à-dire à mètres par seconde. Alors, on peut se poser la question de savoir est-ce que cette vitesse va être grande, est-ce que cette vitesse va être petite. Évidemment, notre intuition, généralement, quand on sort du collège, l'intuition nous fait imaginer que ces particules vont très vite à l'intérieur des fils. Eh bien, on va voir ce que nous dit effectivement le calcul. Je vous laisse calculer. Alors, les résultats sont là. Comme vous pouvez le voir, donc, ça fait 6,25 fois 10 puissance moins 5 mètres par seconde. Donc, ce qui nous donne 6,25 fois 10 puissance moins 2 mm par seconde. Donc, un ordre de grandeur de 10 puissance moins 1 mm par seconde, c'est-à-dire 0,1 mm par seconde.
C'est-à-dire donc que nos charges vont très lentement à l'intérieur de notre matériau. 0,1 mm par seconde, c'est très très faible. Donc qu'est-ce qui fait l'importance d'un courant électrique? L'importance d'un courant électrique, c'est surtout le fait que la densité de porteurs de charge à l'intérieur est très grande. Donc les porteurs de charge vont très lentement, mais il y en a énormément par mètre cube, chacun d'eux transportant une certaine quantité d'électricité qui va contribuer donc à chacune d'elles à l'intensité finale. Et donc, voilà, on tord peut-être un petit peu le cou à une idée répandue qui est que la vitesse des particules est grande à l'intérieur des solides. Elle n'est pas grande du tout, elle est très faible. Alors imaginons que l'on ait un circuit simple, tel qu'on peut les rencontrer au collège ou même au lycée, constitué donc d'une lampe, dont voici le symbole, d'un interrupteur K et d'une pile ici qui a été schématisée comme on le sait. Dès que l'on va fermer l'interrupteur, voilà, imaginons que l'on ait donc un courant qui s'établit, ce courant fasse un ampère. Okay. Comme dans le calcul précédent. Imaginons donc que nos fils de connexion fassent 1 mm². Donc nos calculs précédents nous ont dit que la vitesse des charges à l'intérieur donc, de ces conducteurs était de l'ordre de 0,1 mm par seconde. C'est très 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 lent. Et on le sait, dès que je ferme l'interrupteur, la lampe s'allume. Donc, dès que je ferme l'interrupteur, forcément, il y a un courant qui s'établit pratiquement instantanément, puisque j'observe que ma lampe s'allume pratiquement instantanément. Alors, j'ai représenté mon courant conventionnel. On le sait, le courant d'André-Marie Ampère, c'est un courant de charge positive, donc c'est un courant que je symbolise par une flèche en rouge qui sort de la borne positive de ma pile. Et si on réfléchit un peu, on se retrouve confronté à un petit paradoxe. On se dit, les charges qui sont ici, si elles vont à cette vitesse, avant qu'elles atteignent ma lampe, dès que j'ai fermé l'interrupteur, il va s'écouler plusieurs secondes, plusieurs minutes. Puisque si le fil fait quelques dizaines de centimètres, à cette vitesse-là, les charges qui sont ici, avant d'arriver à la lampe, vont mettre un certain temps. Mais ce n'est pas ce que j'observe, j'observe que la lampe s'allume immédiatement. Donc comment résoudre cet apparent paradoxe? Et bien pour lever le paradoxe, il suffit de comprendre une chose qui est toute simple, c'est que des charges électriques libres de s'effacer se trouvent partout dans tout le circuit, puisque tout mon circuit est conducteur. Donc les charges qui vont permettre à la lampe de s'allumer immédiatement dès que je ferme l'interrupteur, ce sont des charges qui se trouvent déjà à l'intérieur du filament de ma lampe. Dès que je ferme l'interrupteur, ces charges vont se mettre en mouvement à cette vitesse, mais comme elles sont déjà présentes dans le filament, le filament va émettre de la lumière quasiment instantanément. Voilà donc déjà un deuxième résultat qui nous permet de comprendre un petit peu mieux des circuits électriques simples et leur fonctionnement. Alors pour mesurer courant électrique, il nous faut un ampèremètre. Donc ici j'ai un multimètre qui fait au fixe d'ampèremètre, de voltmètre, et donc je choisis déjà une partie qui concerne la partie ampèremètre. Donc quand je regarde cet appareil-là, je m'aperçois qu'il y a plusieurs bornes. Il y a une borne COM, une borne qui s'intitule milliampèremètre, et ici une borne qui s'intitule 10 ampères. Alors la borne COM, ce sont les initiales de commun, c'est-à-dire commun à tous les types de mesures, puisque mon multimètre va pouvoir me permettre de mesurer des tensions, des résistances, des intensités. Et donc, quand l'on va mesurer
l'intensité d'un courant électrique, il faudra décâbler le circuit pour insérer l'ampèremètre à l'endroit même où on veut mesurer l'intensité du courant électrique, c'est-à-dire le débit d'électricité de ce courant, se mesure à un endroit donné, exactement en un point, là où est branché le relais. Donc, deux solutions peuvent se présenter à nous. Les bornes qui nous permettent de brancher notre ampèremètre sont les bornes A et COM. Quand je dis A, c'est A ou MEA, ampèremètre, et COM. Mon courant peut donc rentrer soit par la borne A, et quand je parle du courant, il s'agit du courant conventionnel, c'est-à-dire du courant imaginaire, c'est-à-dire celui d'André-Marie Ampère. Soit mon courant rentre par la borne A et évidemment va sortir par la borne COM. Voilà. Auquel cas, mon ampèremètre va me donner une indication de l'intensité qui sera positive. Et évidemment, je peux avoir aussi un branchement dans lequel mon courant conventionnel rentre par la borne COM et sort par la borne A. Voilà. Auquel cas, ici, mon ampèremètre me donnera la même valeur, excusez-moi, la même valeur que ici, mais avec une intensité négative. Donc le sens de branchement importe pour l'ampèremètre. L'ampèremètre va nous donner une intensité algébrique, c'est-à-dire une intensité qui peut être positive ou négative. Et évidemment, dans cette situation-là, si j'ai I qui est supérieur à 0, ben, je peux déterminer quel est le sens du courant conventionnel, c'est-à-dire le sens du courant imaginaire, le courant d'André-Marie Ampère, le courant de charge positive. Donc dans ce cas-là, ici, si je trouve un I qui est supérieur à 0, bien, effectivement, ça valide l'hypothèse d'un courant qui rentre par la borne A et qui sort par la borne COM. Et ici, si mon ampèremètre me donne une intensité négative, ça valide donc l'hypothèse que le courant rentre par la borne COM et sort par la borne A. Et si je passe de cette situation-là à celle-là, simplement en intervertissant le sens de branchement, eh bien la valeur absolue reste la même, il n'y a que le signe de l'intensité qui va changer. Voilà. Voilà donc pour la mesure de l'intensité à l'aide d'un ampèremètre. Alors, une des lois que l'on étudie au collège et que l'on retrouve aussi au lycée, et la loi qui s'intitule la loi des nœuds. C'est une loi expérimentale. Elle concerne les intensités des courants électriques. Alors, qu'est-ce qu'un nœud de circuit? Eh bien, un nœud de circuit, c'est une zone en laquelle arrivent plusieurs courants. Donc, imaginons que j'ai schématisé ce nœud de circuit ici. J'ai un courant qui arrive. Et en fait, ce courant va se scinder en deux parties. Un courant qui repart par cette branche et un qui repart par celle-là. Je peux mesurer expérimentalement chacun de ces courants. Imaginons que je mesure ici, je vais avoir I0, que je mesure ici, je vais avoir I1, et que je mesure ici, je vais avoir I2. Si je regarde les valeurs des intensités, je retrouve infailliblement, à chaque fois, une relation de ce type qui me dit que l'intensité du courant qui arrive est égale à la somme des intensités des courants qui repartent. Donc cette loi s'appelle la loi des nœuds. Cette loi, donc, va nous dire des choses sur ce qui se passe à l'intérieur des circuits. Elle contient des informations extrêmement importantes sur la nature des courants électriques à l'intérieur des circuits. En effet, si je regarde cette loi et que je remplace chacune des intensités par sa définition, je vais avoir que I0, ce n'est autre que la quantité d'électricité traversant S0 durant le temps delta t, puisque c'est sa définition, et je vais avoir donc ici que I1 est la quantité d'électricité traversant la section S1 que divise la même durée, plus la quantité d'électricité traversant la section S2 que divise là encore la même durée. Je m'aperçois que la durée étant la même, je peux simplifier. La durée étant différente de 0, je peux faire une simplification et je me retrouve avec l'équation suivante, Q de S0 égale Q de S1 plus Q de S2. Et donc cette égalité est valable pour n'importe quelle valeur de delta t, c'est-à-dire qu'elle sera équivalente à chaque instant.
Que va nous dire donc cette dernière égalité? Eh bien, elle nous dit qu'à chaque instant, la quantité d'électricité qui arrive au nœud est égale à la quantité d'électricité qui en repart. Qu'elle reparte par Q1 ou par Q2, la totalité de la quantité d'électricité qui repart du nœud est égale à la quantité d'électricité qui arrive. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier? Eh bien, tout simplement, dit d'une autre façon, tout cela dit que à l'intérieur de mon nœud, je n'ai pas accumulation d'électricité et je n'ai pas perte d'électricité. Donc tout ce qui arrive repart. Et si je n'ai pas accumulation ni perte d'électricité, ça a encore une autre signification. Ça veut donc dire que finalement, je peux considérer mon électricité un petit peu comme de l'eau, hein, qui est incompressible et qui arriverait par ce tuyau et qui repartirait par celui-là et celui-là. On le sait, hein, l'eau est incompressible, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir accumulation d'eau à cet endroit-là de la conduite. Il ne pourra pas non plus y avoir de perte d'eau. Toute l'eau qui rentre est égale à l'eau qui sort. Toute la quantité d'eau qui rentre est égale à la quantité d'eau qui ressort. Donc finalement, l'électricité, on peut se l'imaginer un petit peu comme un liquide incompressible. Alors j'ai bien dit se l'imaginer, on peut se la représenter comme un liquide incompressible qui ne peut ni s'accumuler à un endroit d'un circuit, ni se perdre. On peut donc la considérer comme un liquide incompressible. Et il n'est pas étonnant que tout le vocabulaire de l'électricité concernant les intensités soit issu du même vocabulaire qui a servi à étudier ce qui se passait pour de l'eau dans des conduites. Donc on le verra un petit peu plus tard. Donc voilà cette image qui est assez forte, qui nous permet de nous imaginer cette électricité un petit peu comme une sorte de liquide incompressible qui se déplacerait donc à l'intérieur de fils. Évidemment, ce n'est pas un liquide, mais c'est comme un liquide incompressible qui se déplacerait dans des conduites. Alors que donc ici, nous avons des charges électriques qui se déplacent à l'intérieur de conducteurs. Nous venons de voir une grandeur clé de l'électrocinétique qui n'était autre que l'intensité. Et on vient de voir que donc cette intensité était liée à la notion de déplacement des charges, à la notion de débit d'électricité à l'intérieur du circuit. Nous allons voir une deuxième grandeur clé de l'électrocinétique. Cette grandeur est la tension. On va voir que cette grandeur-là est liée à des considérations énergétiques relatives au courant qui se déplace donc à l'intérieur du circuit. Et nous allons pour ce faire établir une suite de raisonnements déductifs, tantôt qualitatifs, tantôt quantitatifs, qui vont nous amener à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe d'un point de vue énergétique pour chacune des charges constituant le courant qui circule dans le circuit et qui va traverser donc des zones différentes, tantôt des zones qui sont bonnes conductrices, tantôt des zones qui seront moins bonnes conductrices et que l'on appellera des résistances. Alors, imaginons donc maintenant une portion de circuit que j'ai représentée ici. Et imaginons que cette portion de circuit soit constituée de trois zones. Une première zone, ici, dans laquelle on peut constater que la densité de porteurs de charge est importante. Donc, j'appellerai cette zone une zone conductrice. Hein, nous avons affaire à un bon conducteur. Une deuxième zone, ici, où la densité de porteurs de charge est beaucoup, beaucoup plus petite, chose que j'ai notée ici, donc c'est mon hypothèse. Cette zone-là, donc, sera appelée une résistance. Elle est conductrice, mais elle est moins bonne conductrice, du fait même, donc, de la densité de porteurs de charge qui est moindre. Et imaginons que l'on retrouve ensuite la une portion identique à la première portion qui est ici. Donc, évidemment, j'ai représenté plein de porteurs de charge du courant imaginaire, du courant conventionnel,
puisque cette zone-là a une densité de porteurs de charge très grande. Ici, j'en ai représenté un petit peu moins, et ici, je retrouve la même densité que dans cette zone. Et imaginons donc que dans cette branche-là, donc, l'intensité soit I, et la valeur I. On le sait, donc, on a affaire à une seule et même branche, donc l'intensité sera partout la même, à l'intérieur d'une même branche. Donc l'intensité à ce point sera I, l'intensité à ce point sera I, et l'intensité à ce point sera I. On a vu que l'on pouvait exprimer l'intensité, alors je rappelle le résultat que l'on a trouvé dans le petit 1. Donc on a vu que l'intensité représentait évidemment un débit, donc ça c'était par définition, c'était la quantité de charge traversant une section droite que divisait donc la durée. Et on a vu que cette fraction-là, on pouvait l'exprimer en fonction des grandeurs du système. Et nous avions trouvé donc qu'elle s'exprimait comme étant le produit de la densité de porteur de charge libre que multipliait la section, la surface, donc, en coupe droite, que multipliait la vitesse des porteurs de charge et que multipliait la valeur en coulomb d'une charge. Donc, nous allons exprimer cette quantité-là à l'intérieur de cette zone-là et de cette zone-là, nous allons voir quelles relations nous pouvons tirer. Alors, dans cette zone-là, l'intensité s'exprime comme étant égale à NC, que multiplie S, que multiplie V, donc la vitesse que l'on a dans le conducteur, donc je vais l'appeler VC, et que multiplie la valeur donc, d'une charge électrique. Dans cette zone-là, cette même intensité donc, va s'exprimer par le produit NER, la densité de porteur de charge libre dans la zone R, que multiplie S, c'est la même section, puisqu'on considère que mon conducteur a une section constante tout le long de la branche, que multiplie la vitesse que je vais appeler VR, puisque ici, donc, nous sommes dans la partie résistance, nous aurons une autre valeur de vitesse, et que multiplie petit e. Évidemment, je vais égaler ces deux quantités, puisque l'intensité est partout la même à l'intérieur de ma branche. Donc, je me retrouve avec l'égalité NC que multiplie S, que multiplie VC, que multiplie E, est égal à NER, que multiplie S, que multiplie VR, que multiplie E. Évidemment, je vais pouvoir procéder à des simplifications. Je peux procéder à cette simplification-là. Je peux aussi procéder à celle-là. Et je me retrouve donc avec l'égalité suivante. NC que multiplie VC est égal à NR que multiplie VR. Donc, j'ai une égalité qui me relie les vitesses et les densités de porteurs de charge dans ma zone conductrice et dans ma zone résistante. Donc, je vais, pourquoi pas, exprimer VR. Voilà, je vais trouver que VR est égal à donc NC que divise NR que multiplie VC. Donc, je vous laisse regarder cette relation-là. Et je vais porter mon attention donc sur cette fraction, dont je sais que la valeur sera très supérieure à 1, puisque j'ai NC qui est beaucoup plus grand que NR par hypothèse. Donc mon numérateur est beaucoup plus grand que mon dénominateur. Cette fraction-là est beaucoup plus grande que 1. Si je multiplie VC par un nombre beaucoup plus grand que 1, évidemment, je vais avoir une quantité ici qui sera beaucoup plus grande que VC. Donc, j'en déduis immédiatement que la vitesse des porteurs de charge dans la résistance est beaucoup plus grande que la vitesse des porteurs de charge à l'intérieur du conducteur. Alors, ceci tord le cou peut-être à une idée assez répandue, qui est d'imaginer que dans une résistance, les porteurs de charge vont moins vite parce que la zone est dite résistante, donc
elle freinerait les charges. Il n'en est rien. L'équation nous dit que dans la résistance, les porteurs de charges ont une vitesse beaucoup plus grande que dans la zone conductrice. En effet, si on veut, en d'autres termes, si on veut conserver le débit et qu'il y a moins de charges, il faut que les charges aillent plus vite. Donc, on retiendra cette idée qui est capitale. Dans la zone de résistance, c'est-à-dire dans une zone moins bonne conductrice, c'est-à-dire dans une zone où la densité de porteurs de charges est plus petite que la densité de porteurs de charges dans la zone conductrice, eh bien, la vitesse des porteurs de charges est beaucoup, beaucoup plus grande. Alors voilà, j'ai résumé donc le résultat que nous venons de trouver, qui s'écrit comme l'implication qui suit ici. Donc NC très supérieur à NR implique que VR est très très supérieur à VC. J'ai schématisé ceci ici donc avec des vitesses petites pour les porteurs de charge dans cette zone-là et des vitesses très grandes pour les porteurs de charge dans cette zone-là. Et on retrouve à nouveau ici la même vitesse qu'ici, c'est-à-dire une vitesse très petite pour les porteurs de charge imaginaires, du courant imaginaire qui n'est autre que le courant conventionnel. Alors, quelles informations va-t-on pouvoir tirer du résultat que j'ai démontré précédemment, qui est ici, que j'ai représenté encore ici, dans lequel, donc, on le sait maintenant, la vitesse d'une charge dans une zone conductrice est plus petite que la vitesse d'une charge dans la zone résistante. Dans la résistance, la vitesse est beaucoup plus grande. Donc, ceci va avoir des conséquences sur les interactions que va subir la charge. En effet, on le sait, une charge électrique, la notion de charge électrique, c'est une propriété de la matière. Une charge ne peut pas exister indépendamment d'un support matériel. Donc, ma charge est portée par la particule qui a une masse. Donc, je suis en présence d'une particule qui a une masse et qui a une certaine vitesse. Et cette particule, on le sait, va devoir se déplacer à l'intérieur d'une zone constituée d'atomes. Donc elle va rentrer évidemment en interaction avec ces atomes et elle va subir une force de frottement de la part de ceux-ci. Évidemment, si on veut avoir une idée de l'importance de cette force de frottement, on va se référer à la vitesse. On le sait, plus la vitesse est grande, plus la force de frottement que va subir la particule va être grande. Donc, nous pourrons qualitativement en déduire que la force de frottement que subit ma particule à l'intérieur de la zone conductrice, du fait d'une vitesse petite, la force de frottement occasionnée par les atomes de cette zone va être petite. Alors je la représente ici, voilà, par un vecteur que je vais appeler le vecteur F, force, indice petit f de frottement, et petit c pour signifier que je suis dans la zone conductrice. Évidemment, ici, cette même particule qui a une masse va rentrer en interaction avec les atomes de la résistance, qui constituent la résistance. La vitesse étant grande, les interactions vont occasionner des forces de frottement sur la particule plus grande. Donc je vais représenter un vecteur force, évidemment beaucoup plus grand, voilà, que je vais appeler vecteur F, indice petit f de frottement et petit r, pour signifier que je suis dans la résistance. Donc, nous avons déjà une nouvelle information que nous venons de déduire par un raisonnement qualitatif du résultat précédent que nous avons démontré. Voilà donc la nouvelle étape de notre raisonnement. L'intensité, j'ai pas mis de vecteur, donc l'intensité de la force de frottement dans la résistance est beaucoup plus grande que l'intensité de la force de frottement dans la zone conductrice. Alors, quelles nouvelles informations va-t-on pouvoir tirer donc de ce résultat? Je le rappelle, donc la force de frottement
dans la zone résistante est beaucoup plus grande que la force de frottement dans la zone conductrice. Eh bien, c'est le principe de l'inertie qui va nous permettre de tirer de nouvelles informations de ce résultat. Alors, je vous relis le principe de l'inertie. Je rappelle que le principe de l'inertie constitue la première loi de Newton, lois qui sont au nombre de 3, ce sont les lois du mouvement. Et le principe de l'inertie, on le sait, n'est valable que dans un référentiel galiléen. On peut supposer que notre expérience qui est ici se fait dans le laboratoire, c'est-à-dire dans un référentiel terrestre, et on le sait, un référentiel terrestre est une assez bonne approximation de référentiel galiléen. Donc on va pouvoir appliquer donc, dans ce référentiel la loi de l'inertie. Alors quelle est cette loi? Eh bien, la loi de l'inertie établit une équivalence entre deux propositions, ici. Une qui concerne les forces que va subir un corps, et l'autre proposition, le mouvement que va adopter ce corps. Donc, que nous dit ce principe de l'inertie? Il nous dit qu'il est équivalent pour un même corps A, pour un même objet, il est équivalent que ce corps soit ne subit aucune force, ou bien subit des forces qui se compensent. Et en ce qui concerne son mouvement, donc on aura soit le corps A qui est au repos, ou bien alors il a un mouvement, mais alors ce mouvement devra être en même temps de translation et rectiligne et uniforme. Donc voyons si on peut appliquer ce principe de l'inertie à notre situation. Qu'est-ce que l'on sait des vitesses? On sait que la vitesse qui est ici est plus grande que la vitesse qui est ici. Mais ce que l'on sait aussi, c'est qu'à l'intérieur d'une même zone, la vitesse est une constante. Je le note ici. La vitesse est une constante, que je sois dans la zone conductrice ou que je sois dans la zone résistante. Évidemment, cette constante n'est pas la même. Elle est plus petite ici que ici. Donc, à l'intérieur d'une même zone, la vitesse est constante. Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe à l'interface. Ce n'est pas notre propos, évidemment. Si la vitesse passe de là à là, les charges vont subir des accélérations à la jonction. Mais ce n'est pas notre propos. Nous nous plaçons, nous, dans la zone où la vitesse est constante. Donc, si la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. On a un mouvement qui est rectiligne et uniforme. Et donc, qu'est-ce que je vais devoir dire? Eh bien, j'ai deux solutions. Soit le corps A ne subit aucune force, c'est pas le cas, puisqu'il subit déjà une force de frottement, ou alors il subit des forces qui se compensent. Donc, je ne suis pas pour l'instant dans une situation où les forces se compensent. J'en ai une ici qui n'est pas compensée. Il me faut donc introduire une deuxième force qui va compenser ma force de frottement dans la zone conductrice afin que je puisse respecter le principe de l'inertie et que j'ai donc une vitesse qui est constante. Donc je vais représenter cette deuxième force qui va compenser la force de frottement. Alors je la dessine. C'est un vecteur donc qui doit compenser ma force de frottement. Je vais l'appeler donc force motrice. Alors pourquoi motrice? Évidemment parce que c'est une force qui est appliquée dans le même sens que le mouvement, donc je vais l'appeler motrice, et petit c puisque je suis dans la zone conductrice. Et effectivement, l'intensité de la force de frottement dans la zone conductrice est égale à l'intensité de la force motrice dans la zone conductrice. Je vais pouvoir dire exactement la même chose dans ma zone résistante. J'ai une vitesse qui est constante, donc j'ai un mouvement qui est de translation rectiligne uniforme. J'ai déjà une force, il m'en faut donc une deuxième qui compense la force que j'ai déjà représentée. Si elle compense, eh bien je dois dessiner une force de même intensité et opposée donc à ma force de frottement. Je vais l'appeler force, là encore motrice, puisqu'elle est dans le même sens que le mouvement, et donc c'est un vecteur, et l'indice petit r pour signifier donc que cette force motrice se trouve dans la zone résistante. Donc là encore, je vais avoir l'intensité de ma force de frottement dans la zone résistante
est égal à l'intensité de la force motrice dans la zone résistante. Je vous laisse regarder. Évidemment, on va faire une déduction de ce résultat. Alors évidemment, que va-t-on déduire des hypothèses que nous venons d'exprimer précédemment, qui sont ici? Eh bien, nous avons la force de frottement dans la zone résistante, qui est plus grande que la force de frottement dans la zone conductrice. Et évidemment, voilà, pour bien visualiser ce qui se passe. Évidemment, donc, on va pouvoir comparer, comme vous l'avez compris, on va pouvoir comparer ceci et ceci, et on va en déduire, effectivement, que la force motrice dans la zone résistante, donc à une intensité qui est beaucoup plus grande que la force motrice dans la zone conductrice. Voilà, je vous laisse regarder. Donc, c'est ce que je vais compiler comme nouvelle conclusion. La force motrice dans la zone résistante, hein, donc c'est le vecteur en rouge qui est ici, a une intensité plus grande, a une longueur qui est plus grande ici, que la force motrice dans la zone conductrice, donc a une longueur plus grande que le vecteur donc, qui est ici. Alors voilà, donc je viens de compiler ce résultat comme conséquence du résultat précédent, et donc nous avons maintenant notre suite de raisonnement qui s'étend et qui s'explique les uns les autres. Alors nous allons nous interroger maintenant sur la nature de cette force motrice qui s'applique sur les charges électriques à l'intérieur de notre circuit. À ce stade de notre cours, nous en sommes ici, si on veut continuer notre suite de raisonnements logiques qui va nous amener à mieux comprendre ce que c'est que la tension électrique et qui va nous amener donc à la définir correctement, nous allons devoir faire un petit détour par des notions de mécanique que nous avons déjà vues. Donc on a ici un petit rappel de mécanique. Un exemple simple, donc nous avons la Terre et nous avons une masse qui est dans le champ de gravité terrestre. On considère un système, le système constitué par l'ensemble Terre et la masse. C'est un système qui peut se déformer et on le sait, un système qui peut se déformer, on peut associer une énergie potentielle. On l'a vu dans le cours de mécanique, cette énergie potentielle, on le sait, prend la forme de EP, énergie potentielle, est égale à la masse de l'objet, hein, que j'ai noté ici, que multiplie l'intensité de la pesanteur, que multiplie Z, Z étant donc l'altitude que possède cette masse, repérée sur un axe, et alors là il faut être extrêmement prudent, sur un axe qui est ascendant. Hein, si l'axe n'est pas ascendant, on ne peut pas définir l'énergie potentielle. Donc ici, ma masse se trouve à l'altitude ZEA, donc j'aurai une énergie potentielle EPA qui est égale à MG ZEA. Évidemment, si mon solide vient à se déplacer, vient à tomber, eh bien, à une autre altitude, je pourrais définir une nouvelle énergie potentielle du système Terre plus masse qui s'écrira EPB égale M, la masse n'a pas changé, l'intensité de la pesanteur, on peut considérer qu'elle n'a pas changé, et donc ZB, puisque l'altitude a changé. Donc on s'aperçoit que notre énergie potentielle associée donc à notre système Terre plus masse a diminué. Si je regarde attentivement donc cette expression de l'énergie potentielle, je m'aperçois ici d'une certaine quantité que je vais entourer ici, Mg, ou que je peux entourer aussi ici, Mg. Mg, si on s'en souvient, Mg c'est quoi? Le produit de la masse que multiplie petit g, eh bien ce n'est autre que l'intensité du poids de notre objet. Alors si je représente le poids, hein, je peux le représenter comme ceci, voilà. C'est un vecteur donc dirigé suivant la verticale, hein, vers le centre de la Terre.
Voilà, donc j'ai un vecteur poids, P. Je peux représenter mon vecteur poids ici, si l'objet ne tombe pas d'une hauteur très très grande, ben le poids, on peut considérer que c'est le même aux deux endroits. Donc je m'aperçois à chaque fois donc, que l'énergie potentielle, c'est le produit de l'intensité d'une force, le poids, que multiplie une position. Alors je réécris ceci. Finalement, l'énergie potentielle est égale donc au poids, l'intensité du poids, que multiplie la position, que multiplie l'altitude. C'est-à-dire que de façon plus générale, une énergie potentielle peut se définir comme étant une force que multiplie une position. Donc j'encadre cette relation-là qui va nous être utile dans la situation que l'on est en train d'étudier, c'est-à-dire la situation d'une charge qui se déplace à l'intérieur d'un circuit électrique. Donc je répète, pour bien récapituler les idées, nous avons donc une masse qui se déplace sous l'effet de son poids dans le champ de gravité terrestre. On repère les altitudes sur un axe qui est ascendant, c'est-à-dire qui est opposé au sens du poids, et on peut donc à notre système associer une énergie potentielle qui est égale au produit de la masse fois l'intensité de la pesanteur fois la position, et bien constater que la quantité qui se retrouve ici n'est autre que l'intensité du poids, c'est-à-dire l'intensité d'une force. Donc, dans le cas général, donc, pour définir une énergie potentielle, il faut que l'on ait un système qui se déforme entre deux objets et que l'on repère donc notre énergie potentielle en fonction d'un axe qui est opposé, dont le sens est opposé au sens de la force qui est appliquée à l'objet. Donc, nous allons transposer cette situation donc, à une situation d'électricité. Alors nous allons utiliser ce que nous venons de voir dans notre rappel de mécanique et nous allons en faire une utilisation dans la situation de nos charges mobiles. Alors qu'est-ce que nous allons dire? Eh bien effectivement, nous avons une charge électrique qui se déplace sous l'effet d'une force motrice et elle se déplace d'un point A à un point B. Si je veux associer une énergie potentielle, il faut que je trouve donc un système qui se déforme. Et mon système qui se déforme, il va être constitué donc de la charge et de la pile qui se trouve quelque part dans le circuit électrique. Évidemment, s'il n'y a pas de pile, il n'y a pas de force motrice. La pile, c'est la cause de l'existence de cette force motrice, de la même façon que la Terre était la cause de l'existence du poids, de la force de pesanteur qui s'appliquait sur la masse. Ici, donc, mon système pile plus charge peut se déformer. Ma force, ici, est dirigée vers la droite, de la gauche vers la droite. Elle s'applique sur ma charge, donc je définis un axe des hauteurs, entre guillemets, puisque ici, ce n'est pas une hauteur, mais en tout cas, un axe Z qui me permet de repérer la position. Et cette charge qui passe du point A au point B, donc c'est une situation dans laquelle je vais pouvoir associer une énergie potentielle donc à mon système. Comment sera mon énergie potentielle? Eh bien, je reprends exactement la formule générale que j'avais écrite précédemment. Une énergie potentielle, c'est une force que multiplie une position. Ici, ma force, c'est ma force motrice. Donc, c'est le produit de l'intensité de ma force motrice que multiplie donc la position de ma charge. Donc, là aussi, dans ma situation, du fait de l'existence d'une force qui s'applique sur la charge et du fait que je peux avoir un mouvement de ma charge, c'est-à-dire une déformation de mon système pile plus charge, je vais pouvoir associer une énergie potentielle à mon système que je vais écrire de la même façon que dans la situation mécanique, comme le produit de l'intensité d'une force par une position.
Alors, pour bien fixer les idées, j'ai reproduit le schéma précédent. Donc, nous en sommes où ? Nous en sommes au point suivant. Nous avons une charge électrique positive du courant conventionnel, une charge imaginaire, donc qui se déplace du point A au point B. Pourquoi ? Parce qu'elle subit une force motrice. Pourquoi subit-elle une force motrice ? Eh bien, c'est parce qu'il y a une pile quelque part qui crée un courant électrique. Cette force motrice, donc, qui s'applique sur la charge, a une intensité qui est constante. Pourquoi l'intensité est constante ? Parce que si je suis dans une même zone d'un conducteur, la vitesse de ma charge est constante, on l'a vu précédemment. Et donc, si la vitesse est constante, la force motrice, elle aussi, est constante. Si je veux définir une énergie potentielle, cette énergie potentielle sera associée à un système qui se déforme, lequel ? Eh bien, le système constitué par la pile et la charge, c'est bien un système qui se déforme, puisque ma charge se déplace dans le circuit, donc la distance pile-charge varie. Si je veux associer une énergie potentielle à mon système, il faut, je le rappelle, que l'axe qui permet de repérer les positions est une orientation qui soit opposée à la force motrice qui s'applique sur ma charge. C'est bien le cas qui est ici. Je vais donc pouvoir, pour mon système, définir une énergie potentielle au point A. Alors, cette énergie potentielle au point A, c'est une énergie potentielle qui est de nature électrique. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ma force motrice M est une force qui s'applique à une charge. Donc, je peux la qualifier de force électrique. Donc, mon énergie potentielle électrique au point A, on l'a vu précédemment, c'est l'intensité de la force motrice, donc c'est Fm, sans le vecteur, c'est l'intensité que multiplie la position, c'est-à-dire Za. Voilà. L'énergie potentielle donc électrique au point B, que je vais noter comme ceci, va s'exprimer de cette façon. Voilà. La même intensité, on vient de le dire, que multiplie la nouvelle position, Zb. Ceci va me permettre de définir une variation d'énergie potentielle, donc la variation d'énergie potentielle électrique au point A moins la variation d'énergie potentielle électrique au point B est égale à, donc je l'écris, Fm Za fois Za moins Fm fois Z2B. Si je regarde ceci, je m'aperçois que je peux mettre Fm en facteur, puisque Fm est constant, on l'a dit, donc c'est égal à Fm que multiplie le facteur Za moins Z2B, qui correspond au déplacement de ma charge. Donc voilà ce dont nous allons nous servir maintenant pour arriver à continuer notre suite de raisonnement logique pour nous amener à pouvoir comprendre et à définir la notion de tension électrique. Alors, nous en arrivons donc à notre déduction finale, qui va repartir d'ici. J'ai représenté donc un schéma dans lequel je reprends ce que j'ai dit précédemment, mais cette fois-ci pour deux zones, une zone conductrice et une zone résistante. Je prends un axe, comme je l'ai dit, des positions qui est opposé aux forces motrices, qu'elles soient dans la zone conductrice ou résistante, de façon à pouvoir définir dans chacune des situations une variation d'énergie potentielle électrique. Donc si ma charge se déplace du point A au point B dans ma zone conductrice, voilà quelle sera l'expression de ma variation d'énergie potentielle électrique. Donc c'est l'intensité de la force motrice dans la zone conductrice que multiplie Za moins Zb, c'est ce que nous avons dit précédemment. Je peux dire une chose identique ici, et je suppose donc que la charge ici a effectué un déplacement AB qui est le même que le déplacement AB qui est ici.
Je vais donc pouvoir comparer mes variations d'énergie potentielle. Pourquoi ? Puisque si ZA moins ZB est le même dans cette situation ou dans celle-là, par contre, la force motrice dans la zone conductrice, on le sait, est plus petite que la force motrice dans la zone résistante. Donc si je veux comparer la variation d'énergie potentielle dans la zone résistante pour un déplacement AB, par rapport à la variation d'énergie potentielle électrique dans la zone conductrice pour un même déplacement AB, eh bien évidemment, je pense que tout le monde a compris ici que la comparaison, la voilà. Dans la résistance, la variation d'énergie potentielle électrique est très grande par rapport à la variation d'énergie potentielle électrique dans une zone conductrice pour un même déplacement. Donc ceci est un résultat qu'il va falloir un petit peu méditer. Je vais vous laisser le temps de méditer à ce résultat, on va le reprendre. Et c'est ce dernier résultat qui va nous motiver à poser une définition, la définition de ce que c'est que la tension électrique. Alors nous arrivons enfin au bout de nos peines. Nous allons pouvoir maintenant définir la grandeur électrique tension, voir pourquoi on la définit, comment on la définit et surtout ce qu'elle représente physiquement d'un point de vue énergétique. Donc pour cela, j'ai réécrit l'inégalité précédente. Je le rappelle donc, on avait imaginé une charge qui se déplaçait de A à B dans la zone conductrice et une charge qui se déplaçait parallèlement de la même distance A à B dans ma zone résistante. On avait donc vu que pour un même déplacement de ma charge, dans la zone conductrice, la variation d'énergie potentielle associée au déplacement de la charge était beaucoup plus petite que la variation d'énergie potentielle électrique associée à ma charge dans la zone où on avait donc une résistance. Donc une fois qu'on a bien compris ceci, je passe de cette ligne-là à celle-là, tout simplement en divisant les deux membres de mon inégalité par la valeur d'une charge électrique en coulomb, c'est-à-dire E, hein. Le C, E, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb, donc je divise par la valeur d'une charge positive. Donc évidemment, comme petit e est positif, cela ne change pas le sens de mon inégalité. Cette quantité-là, je vais la rebaptiser V, et je vais appeler V le potentiel électrique au point A. Évidemment, de la même façon, cette quantité-là va s'appeler le potentiel électrique au point B. Pareillement ici, le potentiel électrique au point A, mais cette fois-ci dans la résistance, que j'appellerai VA. Et ici, cette quantité-là, le potentiel électrique au point B, mais toujours dans la zone de la résistance. Donc, ici, je m'aperçois que cette quantité-là, par définition, hein, c'est par définition que je suppose que cette fraction est égale à cette grandeur-là, je divise des joules par des coulombs, et bien des joules par des coulombs, on va baptiser ça des volts. Pareillement ici, des joules que divisent des coulombs, donc des volts et des volts. Et donc je m'aperçois donc que cette quantité qui est ici, qui est une différence, ça va donc être une différence de potentiel électrique, puisque cette quantité-là, je l'appelle potentiel électrique. Donc j'ai une différence de potentiel électrique dans la zone conductrice qui est très faible. Par contre, la différence de potentiel électrique dans la résistance, elle sera beaucoup plus grande. Cette différence de potentiel, je vais encore la rebaptiser et je vais l'appeler finalement tension électrique entre les points A et B. Alors petit c parce que je suis dans ma zone conductrice, et ici tension électrique entre les points A et B, et petit r puisque je suis dans ma zone de résistance. Évidemment, des volts moins des volts, ça me donne des volts,
UAB, c'est la tension. Donc on voit très bien que la tension aux bornes d'un conducteur, eh bien, cette tension va être très faible comparativement à la tension aux bornes d'une résistance. On pourra même considérer pratiquement que la tension, quand on mesurera une tension entre deux points d'un conducteur, on pourra quasiment la considérer comme étant égale à 0 volt. Par contre, ici, quand on mesurera une tension entre deux points d'une résistance, eh bien, effectivement, on aura quelque chose qui sera non nul, on aura une tension en volts non nulle. Donc on comprend que la tension est liée donc, à une différence de potentiel, eux-mêmes reliés à des grandeurs énergétiques, puisque j'ai une énergie potentielle électrique, et une grandeur électrique qui n'est autre que la charge, la valeur d'une charge électrique. Donc voilà ce qui a motivé la création d'une grandeur appelée tension. C'est une grandeur électrique qui va être associée, on le voit, à une variation d'énergie que va pouvoir, d'énergie potentielle électrique, que va pouvoir subir la charge lorsqu'elle se déplace, tantôt dans un conducteur ou dans une résistance. Donc ici, on retiendra, et je vais le noter dans la page qui arrive, je vais noter donc la définition de la tension, elle se trouve ici, je le répète, une tension c'est une différence de potentiel, et un potentiel c'est une énergie potentielle électrique que divise la valeur d'une charge électrique. Je répète donc, pour bien enfoncer le clou, cette grandeur-là est bien associée à une grandeur énergétique et une grandeur électrique, et elle nous renseigne cette tension sur la perte d'énergie par unité de charge, je répète bien, la perte d'énergie par unité de charge que subissent les charges lorsqu'elles se déplacent dans une zone du circuit, que ça soit dans la zone conductrice, où là, donc, cette perte d'énergie est quasiment nulle, donc la tension sera quasiment nulle, et là, cette perte d'énergie par unité de charge ne sera pas nul, puisque j'ai ici une variation d'énergie potentielle électrique qui n'est pas nulle, qui est assez conséquente. Et donc cette variation d'énergie par unité de charge va me donner ma différence de potentiel, qui sera pas nulle. Et cette différence de potentiel, donc, je l'appelle une tension électrique. Alors nous avons une nouvelle fois récapitulé tous les résultats que l'on a engrangés ici cette fois-ci sur un circuit, le schéma d'un circuit tel qu'on peut le rencontrer. J'ai un conducteur, entre A et B j'ai des fils de connexion, c'est des conducteurs, entre C et D j'ai une résistance. Et bien la tension entre les points A et B, et bien par définition, donc maintenant on sait que c'est la différence de potentiel entre les points A et B. Donc si j'écris ma tension avec les points dans cet ordre-là, A en premier, B en second, on a vu donc que par définition, j'avais le potentiel VA en premier moins le potentiel VB en second. On a vu que ces potentiels n'étaient autres que des énergies potentielles électriques par unité de charge, puisque je divisais l'énergie potentielle électrique par la valeur d'une charge. Donc VA, c'est EPA sur E, moins VB, EPB sur E. Et on a vu donc, étant donné que la variation d'énergie potentielle électrique entre les points A et B pour un conducteur, ce numérateur était pratiquement nul, il était très faible, et bien effectivement, la fraction elle-même sera égale à 0, mais 0 volts, puisque on a défini que des joules que divisent des coulombs, c'était des volts. De la même façon, si je suis entre les points C et D au bord d'une résistance, la tension UCD, c'est en premier, D en second, ne sera autre que la différence de potentiel VC en premier moins VD en second. Le potentiel VC est lui-même égal à l'énergie potentielle électrique au point C que divise E.
VD, l'énergie potentielle électrique au point D que divise E. Donc si je mets sous une fraction commune, on se rappelle que notre numérateur ici n'est plus nul, puisqu'il y a une variation d'énergie potentielle électrique entre les bornes CD, donc on est entre les bornes d'une résistance dont mon numérateur est vraiment différent de 0, il y a une perte d'énergie potentielle. Et si je divise par E, ben, j'aurai une fraction non nulle aussi, mais qui s'exprimera en volts, et donc je pourrais dire que j'ai une tension qui est différente de 0. Donc, récapitulatif, quand on a une tension qui est non nulle aux bornes d'un dipôle, ça veut dire que si je considère une charge, quand elle va traverser ce dipôle, elle perd de l'énergie. Elle perd de l'énergie et la tension représentera la perte d'énergie potentielle électrique par unité de charge, puisque je divise par petit e. Et où est partie cette énergie? Eh bien, effectivement, cette énergie, elle a été cédée à la résistance, aux atomes de la résistance sous forme de chaleur, et on le sait, une résistance, ça chauffe. Donc, l'énergie perdue par la charge au cours de son déplacement au travers de la résistance, l'énergie perdue par la charge, en fait par le système pile-charge, a été cédée aux atomes de la résistance, et la résistance va chauffer. Et ensuite, bon, cette chaleur se disperse dans l'air ambiant et ainsi de suite. Voilà donc pour la définition d'une tension. On comprend mieux un petit peu ce que c'est qu'une tension. Et on va voir que cette définition de la tension va nous permettre de comprendre les lois que l'on a avec la tension pour des dipôles qui sont en série ou qui sont en dérivation. Ces lois vont découler de la définition même de la tension et de la compréhension qu'on en a eue tout au long donc, de cette longue suite de raisonnements. Voilà, j'espère que vous avez compris. On va continuer, on va voir maintenant les lois sur les tensions et on va un petit peu donc, rappeler encore une fois de plus ce que c'est qu'une tension. Alors, l'appareil qui mesure une tension, on le sait depuis le collège, c'est le voltmètre. Donc le voltmètre va se brancher entre deux points d'un dipôle. Par exemple, ici, on a une résistance. Et le voltmètre, il faut savoir que le voltmètre nous donne tout le temps la tension entre la borne V et la borne COM, tout le temps dans cet ordre-là. Donc dans ce branchement, si la borne V a été reliée au point A et la borne COM a été reliée au point B, eh bien, à quoi va être égal UV de COM? Eh bien, il va être égal évidemment à U de AB. Ici, dans le cas contraire, nous avons la borne V qui est reliée au point B et la borne COM qui est reliée au point A. UVCOM, c'est ce que nous donne le voltmètre, tout le temps dans cet ordre-là, V d'abord COM, donc la tension que donne le voltmètre ici, c'est UBA. Et évidemment, cette tension UBA et UAB, hein, donc si je ne fais qu'intervertir le branchement, cette tension, donc ces deux tensions-là sont opposées, hein, puisque on le sait que par définition UAB est égal à VA moins VB, VA moins VB. On sait que donc UBA, d'après la définition de la tension, sera égal à VB moins VA. On voit que ces deux quantités-là sont opposées, donc évidemment, j'ai U de AB qui est égal à moins U de BA. Donc la tension est une grandeur qui est éminemment algébrique, elle peut être tantôt positive, tantôt négative, tantôt nulle. Et la tension donc, se mesure non pas en un point, mais bien entre deux points, entre les deux points, où la tension va nous renseigner donc, sur, je le rappelle encore une fois de plus, la perte d'énergie potentielle électrique par la charge qui a traversé la résistance, par unité de charge. C'est la définition qu'on en a donnée. Donc la tension nous dit si une charge qui traverse la résistance
va perdre de l'énergie potentielle ou non. Voilà donc pour ce premier résultat sur la mesure d'une tension. Elle se mesure entre deux points, du fait même de la définition d'une tension comme étant la différence entre deux potentiels, donc entre deux points, et le fait que la tension est bien une grandeur, je dessine bien mon signe moins, une grandeur algébrique telle que UAB est égale à moins U de BA. Alors maintenant nous allons comprendre véritablement d'un point de vue énergétique ce que signifie la tension électrique pour avoir une représentation extrêmement claire de cette nouvelle grandeur. Donc pour cela j'ai représenté un exemple simple qui nous est familier. J'ai représenté une charge positive qui appartient au courant imaginaire. C'est une charge imaginaire du courant conventionnel qui circule de la gauche vers la droite. Et on le sait, ce courant conventionnel modélise le véritable courant d'électrons, le courant réel d'électrons qui, lui, circule dans l'autre sens avec des charges qui sont négatives. J'ai donc représenté cette charge qui aborde une résistance au point A et qui sort de la résistance au point B. Donc ma charge va traverser une résistance, elle vient d'une zone qui est conductrice, elle aborde la résistance, elle traverse la résistance et puis elle s'en va et continue dans une autre zone conductrice. J'ai représenté aussi un axe des positions. Cet axe des positions donc, est orienté en sens contraire de la force motrice électrique qui permet à ma charge de traverser la résistance. Donc une force motrice qui est dirigée de la gauche vers la droite. Ma charge va de la gauche vers la droite. Cet axe me permet de repérer donc, la position de ma charge, donc me permettra de définir des énergies potentielles électriques. Et imaginons, pour fixer les idées, que ma charge au point A ait une énergie potentielle électrique de 7 joules, quand elle aborde la résistance. Elle traverse la résistance et en sortant de la résistance, son énergie potentielle électrique au point B, juste au moment où elle sort de la résistance, ne vaut plus que 2 joules. Évidemment, si je fais la différence, il y a 5 joules qui ont disparu. En fait, ils n'ont pas véritablement disparu. La diminution d'énergie potentielle électrique de 5 joules s'est retrouvée sous forme thermique. C'est une énergie qui a été cédée à la résistance, aux atomes qui constituent ma résistance, et 5 joules vont se retrouver sous forme thermique à l'intérieur donc de ma résistance qui va chauffer. Donc si je regarde ceci, je m'aperçois que ces 5 joules ici, ces 5 joules qui ont été donc consommés, qui ont disparu et qui correspondent donc à une seule charge, c'est-à-dire une valeur en coulomb de petite coulomb. Chaque fois que j'ai une charge, 5 joules, une charge qui passe de A à B, 5 joules ont disparu, et ça correspond à une quantité d'électricité qui est passée du point A au point B de petite coulomb. Évidemment, je pourrais envisager de me ramener à la valeur de 1 coulomb. Je vais faire un produit en croix. Je me pose la question, maintenant, si c'était non pas petite coulomb qui soit passé de A à B, mais 1 coulomb qui soit passé de A à B, quelle aurait été la quantité d'énergie potentielle électrique qui aurait été perdue et qui se serait retrouvée sous forme thermique? Eh bien, il suffit que je fasse un produit en croix, 5 fois 1 que divise E, ça me fait 5 que divise petit e joule. Ok. Donc, pour un coulomb d'électricité qui traverse ma résistance, j'ai 5 sur E joules qui disparaissent dans la résistance sous forme thermique. Si maintenant je regarde ma définition, ici la définition de la tension UAB, quelle est-elle? Eh bien, elle est égale à la variation d'énergie potentielle électrique entre A et B que divise petit e. Si je regarde, cette quantité-là donc correspond à des joules que divise des coulombs. Donc, si je fais le calcul exactement de cette fraction-là, je vais me retrouver avec quoi? Eh bien, je vais me trouver à
5 sur petit e joule, que divise donc un coulomb. Je divise bien des joules par des coulombs. Cette quantité-là est égale à quoi? Elle est égale à 5 sur E. C'est toujours des joules que divise des coulombs. Et on le sait, des joules que divise des coulombs, c'est pareil que des volts. Je le marque ici. Donc 5 sur E représente quoi? Eh bien 5 sur E, si je divise des joules par des coulombs, 5 sur E représente donc la tension UAB, évidemment, en volts, puisque les joules sur les coulombs, ce sont des volts. Donc finalement, que représente 5 sur E que divise 1, c'est-à-dire 5 sur E? Ben, c'est la tension. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la tension va me mesurer ici cette quantité-là, qui va correspondre à 5 sur E joules perdus par coulomb d'électricité qui va traverser donc la résistance du point A au point B. Donc on peut concevoir la tension comme une quantité d'énergie perdue, un joule, par coulomb, qui a été perdue lorsque le courant passe d'un point à un autre. Si je dis par exemple qu'une tension UAB vaut 5 volts, eh bien je vais devoir imaginer que si la tension UAB vaut 5 volts, ça veut donc dire qu'entre A et B, 5 joules ont été perdus par coulomb d'électricité qui passe du point A au point B. Donc nous avons ici une interprétation extrêmement intéressante de la tension qui se fait d'un point de vue énergétique et qui permet un petit peu de mieux comprendre un petit peu ce que signifie cette grandeur électrique qu'est la tension. Alors nous allons voir donc que notre définition de la tension, une définition constructive de la tension par le biais donc de l'énergie, cette définition-là, qui nous a permis de comprendre ce que c'est qu'une tension, va nous être utile pour retrouver de façon théorique quelque chose que l'on trouve de façon expérimentale au collège, en mesurant des tensions avec des voltmètres. C'est ce que l'on appelle la loi d'additivité des tensions pour des résistances qui sont en série. Donc j'ai représenté ici une association de deux résistances en série. La première résistance R1 est entre les points A et B, la deuxième résistance R2 est entre les points C et D. On a un montage série. Ces deux résistances sont parcourues par un courant de même intensité I, puisqu'elles sont en série. Il y a bien conservation du débit d'électricité tout le long de cette branche. Et si je veux construire, si je veux calculer la tension UAD en fonction de la définition, j'applique ma définition, j'ai les points A et D ici, donc c'est l'énergie potentielle électrique au point A moins l'énergie potentielle électrique au point D, le tout que divise petit e. Alors on va voir que par une habile manipulation mathématique, on va pouvoir exprimer cette tension UAD en fonction des tensions UAB et UCD. Comment? Eh bien, c'est assez simple, on va utiliser un artifice mathématique qui consiste à rajouter 0. Comment? Eh bien, je réécris donc mon premier terme, ici, énergie potentielle électrique au point A. Alors, pour plus de rapidité, je ne réécris pas électrique, mais on le sait, c'est électrique. Et je vais écrire moins énergie potentielle au point B plus énergie potentielle au point B. Donc si je regarde ce que j'ai fait, en fait finalement je n'ai rien fait, puisque j'ai rajouté 0, cette quantité-là, moins EPB plus EPB, elle vaut 0. D'accord? Donc j'ai rajouté 0, égale 0. Je continue, je rajoute donc moins EPC plus EPC. Donc là encore, je viens de rajouter 0, mais une deuxième fois. Alors évidemment, c'est 0 joules, si je marque l'unité, c'est 0 joules. Et finalement, si je veux retrouver le même numérateur, il faut que je remarque moins l'énergie potentielle au point D. Okay. Et je m'arrête là.
J'aurais écrit ici petit e. Et je vais réécrire ma fraction de façon différente. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien, je vais grouper maintenant ces termes-là. Là, je les entoure. Et je vais écrire ma fraction ici. Donc, ça me fait EPA moins EPB sur E. OK? Plus, je vais regrouper maintenant ces deux termes-là. Plus, donc, EPB moins EPC, ok, le tout que divise E. Plus, je regroupe maintenant ces termes-là, EPC moins EP au point D, le tout que divise petit E. Donc j'ai toujours donc ma tension UAD, hein, donc par définition de la tension. Et je vais m'interroger donc sur ce que signifie donc chacun de ces termes-là. Si je remonte à la définition, EPA moins EPB sur E, ben, c'est UAB. UAB. Plus, ici, évidemment, je réutilise la définition UBC. Plus UCD. OK. Alors, je m'interroge maintenant sur la valeur de UAB. Évidemment, mon courant, hein, mon coulomb d'électricité, va perdre de l'énergie lorsqu'il passe de A à B, puisqu'il traverse une résistance. Donc, évidemment, ce terme-là est différent de zéro. Mais on le sait, lorsque l'on passe d'un point à un autre, alors que les points ne sont reliés que par des corps conducteurs, la perte d'énergie, on l'a vu hein, précédemment, il y a quelques temps de ça, la perte d'énergie est quasiment nulle. Donc mon numérateur ici, on le sait, va être quasiment égal à 0. Si je divise par petit e, donc ça me fait quasiment quelque chose qui est égal à 0. Voilà, pratiquement égal à 0, donc 0 volts, ne l'oublions pas. Et ici, je traverse une deuxième résistance, donc il y a bien une perte d'énergie qui est non nulle. Je divise par e, donc j'ai bien quelque chose qui est différent de 0. Au final, donc, je peux m'abstenir d'écrire ce terme-là et je me retrouve donc avec UAD, voilà, qui est égal à UAB plus UCD. Voilà, c'est ce qu'on appelle la loi d'additivité. Il y a bien addition des tensions aux bornes de mes résistances pour des résistances qui sont bien montées en série. Donc finalement, que nous dit en substance cette loi? Elle nous dit que la quantité d'énergie perdue par coulomb qui passe de grand A à grand D n'est autre que égal à la quantité d'énergie par coulomb perdue entre A et B et entre C et D, puisque ici il n'y a pas de perte d'énergie par coulomb d'électricité qui circule puisque je suis à l'intérieur d'un conducteur. Nous avons donc là une vision énergétique extrêmement compréhensible de ce qui se passe. Alors, où sont perdus tous ces joules par coulomb d'énergie qui a été perdu lorsque le courant d'un coulomb, lorsque un coulomb d'électricité passe de A à B, ben, ça a été perdu soit dans la résistance AB, soit dans la résistance CD. Voilà donc une interprétation possible, extrêmement claire, de ce que c'est que la loi d'additivité des tensions. Alors nous allons voir maintenant la deuxième loi sur la tension, donc que l'on voit généralement aussi au collège en faisant des petites expériences de mesure de tension sur des circuits. Donc nous avons ici un circuit hein, qui va nous permettre d'illustrer mon propos, c'est-à-dire la loi d'unicité de la tension pour des dipôles montés en dérivation. Donc unicité, on va voir, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule tension pour ces trois dipôles. Et donc on va faire une interprétation, là encore, pas tout à fait énergétique, on va se servir de la deuxième façon de représenter la tension. On a vu que la tension, donc sa définition énergétique, c'était celle-là. On pouvait réécrire cette fraction de cette façon-là et rebaptiser cette quantité-là le potentiel VA et cette quantité-là le potentiel VB.
C'est-à-dire que l'on fait apparaître notre tension sous la forme d'une différence de deux potentiels, le potentiel VA moins le potentiel VB. Donc si je veux calculer la tension UPN, et si je ne veux pas refaire une interprétation énergétique, mais que je veux utiliser la notion de potentiel, ben je vais écrire que U2PN est égal à VP moins VN. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là encore, je vais utiliser un artifice mathématique le même, je vais ajouter 0. Alors VP moins VN, ce n'est autre que VP moins VJ plus VJ. Je viens de rajouter 0. Je le mets au-dessus, cette quantité vaut 0, égale 0. Donc ensuite, moins VA, plus VA. OK. Moins VB, donc là encore, j'ai rajouté 0. Moins VB, plus VB. C'est égal à 0. Et je termine donc, non pas tout à fait encore, moins VK, plus VK, qui est égal à 0, et je termine donc par moins VN pour retrouver donc mon potentiel VN. Donc VP, je l'ai ici, moins VN, je l'ai ici, et j'ai rajouté 4 fois 0. Ces 4 fois 0 donc, me permettent d'introduire donc, des potentiels nouveaux, et je vais réécrire mes quantités de façon suivante en faisant les regroupements que je fais ici, voilà, je fais ces regroupements là, okay. Et je les réécris en dessous. Donc VP moins VJ c'est UPJ, plus, hein, je réécris le plus UJA, voilà, je pense que vous avez compris, plus UAB, plus UBK, plus UKN. Ok, et puis je m'interroge maintenant. UPJ, eh bien le point P et le point J sont reliés, hein, on peut relier le point P au point J par un fil de connexion, on l'a vu précédemment, donc il n'y a pas de perte d'énergie par coulomb allant de P à J, donc la tension UPJ vaut 0, donc je la barre. UJA, ben, c'est pareil, elle vaut 0 entre J et A, j'ai un fil de connexion. UAB, ah, donc c'est différent de 0 puisque j'ai une résistance, il y a bien une perte d'énergie, il y aura bien une tension. UBK entre B et K, eh bien, évidemment, c'est un fil de connexion, cette quantité-là, à nouveau, va valoir 0. Et de K à M, je relie par un fil de connexion, pas de perte d'énergie par coulomb allant de K à N, donc je barre. Et je me retrouve donc avec donc, UPN, que je réécris ici, UPN est égal à quoi? Ben, UPN est égal à UAB. Alors vous l'avez compris, je ne vais pas le refaire, mais si au lieu de choisir ce chemin-là, qui m'avait mené de P à N par cette première maille, hein, donc, eh bien si j'avais choisi le chemin qui passe comme mon doigt l'indique, eh bien j'aurais procédé de la même façon et j'aurais trouvé aussi que U de PN aurait été égal à U de CD. Donc finalement, je me retrouve avec U de PN qui est égal à U de AB, U de PN qui est égal à U de CD, et donc mes trois tensions ici, mes trois tensions sont absolument identiques. Il y a bien unicité de la tension aux bornes de dipôle montées en dérivation. Nous avons notre loi d'unicité de la tension aux bornes de dipôle montée en dérivation. Voilà donc une façon d'interpréter cette loi qui fait appel ici à l'emploi de la tension sous la forme d'une différence de potentiel et non, comme je l'ai fait précédemment, en utilisant la fraction ici, c'est-à-dire en parlant des énergies. Là, j'ai parlé des potentiels, je suis arrivé au même résultat. Tout ça grâce à ma définition précise de ce que c'est qu'une tension, c'est-à-dire une variation d'énergie que divise donc la valeur de la charge, c'est-à-dire une variation d'énergie par coulomb d'électricité qui va d'un point à un autre, ou alors en termes de différence de potentiel. Voilà. Alors nous arrivons au
paragraphe 3 dans lequel nous allons parler de puissance électrique. Qu'allons-nous faire dans ce paragraphe? Nous allons exprimer la puissance électrique, qui est une grandeur qu'on utilise couramment lorsqu'on étudie des circuits. Nous allons exprimer la puissance électrique en fonction de grandeurs électriques, qui sont caractéristiques du circuit que l'on va étudier. Pour cela, donc, nous allons repartir de la définition générale de ce que c'est que la puissance, et que j'ai écrit donc en rappel, que j'ai intitulé rappel 1. C'est quoi une puissance? Eh bien, une puissance, c'est un débit d'énergie. Donc, comment calcule-t-on un débit d'énergie? Eh bien, on divise l'énergie par la durée de transfert d'énergie, que ce transfert se fasse au profit d'un système ou au déprofit d'un système, que ce soit une énergie perdue ou que ce soit une énergie acquise par un système. C'est une énergie, donc, par unité de temps, donc je répète, que divise la durée du transfert. Donc on pourra parler aussi bien de puissance reçue que de puissance perdue, hein, suivant que j'ai une énergie perdue ou une énergie acquise. Donc si je divise une énergie par une durée, je divise des joules par les secondes, donc j'ai des joules secondes moins 1, et ces joules secondes moins 1, on les rebaptise watts, donc c'est le nom de l'unité de la puissance. Hein. Donc c'est une unité homogène à des joules par seconde. Nous avons donc, pour illustrer notre propos ici, un schéma dans lequel nous avons une portion de circuit dans laquelle nous avons une charge qui aborde au point A une résistance qu'elle traverse et qu'elle quitte au point B. Puis elle s'en va donc dans le conducteur. Cette charge appartient au courant conventionnel, donc qui va de la gauche vers la droite. J'ai réécrit un autre rappel qui nous donne donc la définition de la tension qu'on a longuement commentée précédemment. Et je me pose la question donc, quelle est l'énergie perdue par ma charge unique lorsqu'elle passe du point A au point B? Ben, il me suffit d'inverser l'équation qui est ici et je vais trouver qu'elle est égale à petit e que multiplie UAB. Ok. Mais évidemment, en delta t, il n'y a pas une charge qui va traverser ma résistance, il y a grand L charge. Donc quelle sera la quantité d'énergie qui sera perdue par mon courant? Eh bien, la quantité, je vais le marquer ici, la quantité d'énergie perdue par le courant sera grand N fois petit e que multiplie UAB. Je le répète, et donc ceci durant le temps delta t. Donc s'il n'y a qu'une seule charge qui traverse, l'énergie perdue, c'est e petit e que multiplie UAB, hein, donc d'après ceci. Mais si j'ai un courant grand I, je n'ai pas qu'une seule charge, j'en ai grand N qui vont traverser ma résistance durant le temps delta T. Grand N charge, chacune d'elles transporte cette quantité d'énergie. Donc durant le temps delta T, l'énergie perdue par mon courant, c'est N fois petit e fois UAB que divise delta T. Imaginons donc qu'ils me prennent à l'idée de regrouper cette quantité-là, cette première quantité-là, eh bien, je vais pouvoir la rebaptiser Q. Donc, c'est la quantité d'électricité totale qui a traversé donc, mon dipôle, ici ma résistance, durant le temps delta T. Donc voilà, déjà, je peux écrire ceci. Mais je vais faire un deuxième regroupement ici. Et ceci va me permettre de faire intervenir donc la définition de l'intensité, puisque la charge totale ayant traversé un dipôle durant le temps delta T, ce n'est autre que l'intensité. Donc je vais pouvoir réécrire ma puissance comme étant égale à l'intensité que multiplie la tension. Alors évidemment, la puissance que je viens de calculer, sur mon exemple-là, je pourrais l'intituler la puissance perdue. Perdue par qui? Eh bien, perdue par le courant. Par le courant. Ok. À quoi est-elle égale? Eh bien, elle est égale au produit de l'intensité du courant par la tension aux bornes
de mon dipôle, c'est-à-dire au bord de ma résistance. Alors c'est une puissance perdue par le courant, mais tout n'est pas perdu dans ma vie. C'est quand même aussi une puissance qui a été gagnée par la résistance, qui va chauffer. Hein. On aura donc l'énergie qui a été perdue par chaque résistance va être cédée aux atomes qui constituent la résistance, donc sous forme thermique, la résistance va chauffer. Donc ce n'est autre aussi que cette puissance perdue par le courant, ce n'est autre aussi que la puissance gagnée par les atomes de la résistance, donc sous forme thermique. Voilà, donc nous avons une définition qui est intéressante et que je vais noter et que je vais encadrer donc en rouge. Et donc nous allons bien exprimer la puissance en fonction de grandeurs caractéristiques de notre circuit, des grandeurs électriques, l'intensité et la tension. Voilà. Alors nous allons étudier maintenant une loi célèbre, hein, que l'on voit au collège, que l'on retrouve au lycée, et c'est une loi qui est quasiment incontournable lorsqu'on étudie les circuits électriques. Cette loi porte donc le nom de la loi d'Ohm, hein, c'est notre paragraphe petit 4. Alors j'ai fait deux rappels ici, hein, qui proviennent de mon paragraphe 1 et de mon paragraphe 2, deux rappels que j'utiliserai en temps voulu pour interpréter clairement la signification physique profonde de cette loi d'Ohm. Donc pour l'instant, je laisse mes rappels ici. Et je m'intéresse donc à l'exemple qui est ici. Donc j'ai une portion de circuit qui est constituée d'un conducteur, d'une résistance et d'un conducteur. Donc j'ai un courant I conventionnel qui transporte des charges imaginaires positives. La portion de conducteur donc, a une densité de porteur de charge NC, on l'a vu. La vitesse de mon porteur de charge dans mon conducteur est faible, on le sait. Ici, elle vaut VC. Donc, la valeur de la charge électrique, c'est plus E. Je considère une branche de section constante, donc la surface ne change pas. Et ma charge aborde une résistance. Donc, et on le sait, à l'intérieur d'une résistance, la densité de porteur de charge libre est plus petite. Hein, je note pour rappel, d'accord. Elle est plus petite que dans un conducteur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ceci une résistance. Ceci a pour effet d'augmenter la vitesse des porteurs de charge qui va être beaucoup plus grande, mais on le sait, le débit reste constant, donc l'intensité reste constante. Alors après, évidemment, ma charge qui a traversé ma résistance continue dans le conducteur. Donc, que nous dit la loi d'Ohm ? Eh bien, la loi d'Ohm nous dit que si on mesure la tension entre les deux extrémités de ma résistance, donc si on mesure la tension UAB entre les deux extrémités de la résistance, si on mesure simultanément, en même temps, donc l'intensité, la valeur de l'intensité qui traverse ma résistance, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une relation de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité est appelé grand R. Voilà, c'est tout simplement ce que nous dit la loi d'Ohm. C'est une loi expérimentale, hein. Je marque bien ici. C'est une loi qui est de nature expérimentale. Il faut bien avoir ceci. Donc, je veux exprimer l'unité de ma résistance, et bien tout simplement, il suffit que je fasse le rapport de la tension par l'intensité. Bon, je divise donc des volts par des ampères. Je divise des volts par des ampères. Donc, la résistance s'exprime en volts par ampères. Et ceci, donc, on l'a rebaptisé donc l'ohm, voilà. Donc, de symbole oméga. Donc, l'ohm est l'unité de la résistance, et c'est ce qui donne d'ailleurs le nom à ma loi. Donc, l'affaire est claire. Ici, j'ai des volts, ici, j'ai des ampères, et ici, j'ai des ohms, hein, c'est-à-dire des volts par ampère. Donc, cette loi ici... UAB égale R fois I est une loi de proportionnalité entre tension et intensité.
Pour autant, l'écriture de cette loi me laisse un petit peu sur ma faim. Si je cherche à essayer de comprendre physiquement de quoi il retourne, et si je veux arriver à comprendre la signification profonde de cette loi, ben je vais faire appel à mes deux rappels qui sont ici, qui m'indiquent que la tension s'exprime de cette façon et que l'intensité s'exprime de cette façon. C'est deux expressions que l'on a vues dans le paragraphe 1 et 2. Et évidemment, il va me venir à l'esprit de faire un changement de variable, de remplacer U de AB par cette expression-là et I par cette expression-là pour essayer un petit peu d'avoir des grandeurs qui soient davantage conceptualisables, qui me parlent davantage à mon intellect pour essayer de comprendre ce que signifie cette loi. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors avant de faire le changement de variable, c'est-à-dire remplacer la valeur i par cette expression-là qui a été trouvée au paragraphe petit 1, et remplacer u de ab par son expression qui a été définie au paragraphe 2 et qui a été largement commentée, je vais redonner une explication, chose qui a déjà été faite, mais je vais le faire d'une façon un peu différente. Je vais redonner une explication de la signification de cette fraction-là. Alors, je rappelle que vaut la tension U de AB. La tension U de AB, elle est égale à cette fraction-là. Qu'est-ce que j'ai dans cette fraction-là? Donc, je considère une charge qui passe du point A au point B. Au point A, cette charge unique a une énergie qui vaut EA, qui est ici. Au point B, elle a une charge EB, qui vaut cette valeur-là. Et donc, finalement, mon numérateur représente la perte d'énergie en joules qu'a subi cette charge unique lorsqu'elle passe du point A au point B. Et pour obtenir la tension U de AB, je divise cette perte d'énergie de ma charge lorsqu'elle passe du point A au point B par la valeur de la charge, c'est-à-dire petit e en coulomb, 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Quand je regarde cette fraction-là, évidemment, mon raisonnement ne porte que sur une seule charge. Et évidemment, on préférerait raisonner sur le courant. On aimerait raisonner sur un coulomb de charge. Donc, si je veux arriver à faire ce raisonnement, au lieu de penser qu'une seule charge passe du point A au point B, je vais imaginer qu'il y a grand N de charges qui passent du point A au point B. Donc si j'ai grand N de charges, je vais multiplier petit e par grand N. Okay. Mais si je fais ceci et que je veux conserver la même valeur de la tension, il faut évidemment que je multiplie mon numérateur par grand N aussi. Donc ma fraction en noir ou ma fraction avec ce que je viens d'écrire en vert, a exactement la même valeur. Si je distribue donc grand N maintenant, si je distribue à chacun de mes termes à l'intérieur de la parenthèse, ça va me donner donc, ici ça c'est simple, grand N E, et ici grand N E, et je vais imaginer que cette quantité-là, grand N E, me fasse un coulomb. Donc je vais l'appeler grand N E, je vais l'appeler Q, et entre parenthèses, un coulomb, puisque c'est ce que je décide. Je décide qu'il y a grand N de charges qui sont passées du point A au point B, et que ces grand N de charges me permettent d'avoir une valeur de 1 coulomb qui sont passées de A à B. Donc que représentent maintenant NEA et NEB? NEA va représenter l'énergie au point A, l'énergie potentielle électrique au point A, mais pour un coulomb, non plus pour une charge, et grand N fois EB donc va me représenter l'énergie potentielle électrique au point B, mais non plus pour une charge, mais pour un coulomb. Okay, évidemment, je mets mon signe qui est ici. Donc, là encore, je l'ai écrit d'une façon différente, mais ça a la même signification. Que représente la tension donc en volts entre les points A et B? C'est la perte d'énergie en joules lorsque un coulomb passe du point A au point B.
Donc je répète parce que c'est assez important de comprendre en termes énergétiques ce que c'est que la tension. La tension U de AB, d'après ce que je viens de dire, représente donc la variation d'énergie entre le point A et le point B par coulomb, pour un coulomb. Donc et ici, j'ai bien noté que l'énergie au point A, c'était l'énergie qu'avait un coulomb, et l'énergie au point B, c'était l'énergie qu'avait au point B un coulomb, lorsqu'il avait traversé donc, ma résistance. Donc voilà ce que représente ma tension, et je vais donc faire ce changement de variable à l'intérieur de ma loi d'eau. Donc qu'est-ce qu'elle va devenir? Eh bien, ça va me donner ici U de AB, je vais l'écrire donc E, un coulomb ici, au point A, de l'énergie potentielle électrique, moins E pour un coulomb au point B, toujours de l'énergie potentielle électrique, que divise une charge Q, donc entre parenthèses, qui vaut un coulomb, et c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à grand R que multiplie petit n. Alors petit n, évidemment, je suis dans la résistance, donc c'est petit n, la densité de porteur de charge dans la résistance, que multiplie grand S, que multiplie la vitesse, mais évidemment dans la résistance, et que multiplie petit e, la valeur d'une charge. Je vous laisse regarder cette expression que l'on va commenter largement et qui va nous permettre un petit peu de comprendre ce que c'est que la loi d'Ohm. Alors j'ai réécrit proprement ma dernière égalité, la voilà. Je vais tout simplement maintenant faire passer mon dénominateur ici, donc je l'enlève d'ici et je le fais passer ici, donc voilà, fois, j'enlève ma barre de fraction, et maintenant je regarde qu'est-ce que j'ai obtenu. Eh bien tout simplement, ceci est une constante, pour mon exemple donné, hein, quand je conserve le même exemple, ceci est une constante, une constante, une constante, une constante. Ça veut donc dire quoi? Eh bien, ça veut dire que à chaque fois que un coulomb d'électricité passe du point A au point B, eh bien, il perd exactement cette quantité d'énergie qui n'est autre qu'une constante. Il perd chaque fois la même quantité d'énergie. Donc, je répète, chaque fois que une énergie de 1 coulomb passe du point A au point B, eh bien, la quantité d'énergie est égale à un produit ici qui est constitué de facteurs constants, donc mon produit est lui-même constant, dont la quantité d'énergie perdue est constante par coulomb. Voilà donc ce que signifie la loi d'Ohm. Elle nous dit que lorsque j'ai de l'électricité qui traverse une résistance, chaque fois que j'ai un coulomb d'électricité qui traverse une même résistance, à chaque fois, ce coulomb va perdre la même quantité d'énergie qui a été calculée ici. Donc, évidemment, cette écriture-là et cette écriture-là ne sont pas les mêmes. Ici, nous avons donc une équivalence entre cette écriture-là et celle-là, puisqu'on n'a fait que des changements de variables. Mais ici, on a une interprétation énergétique de la loi d'Ohm qui nous permet de comprendre que le fait de dire qu'il y a proportionnalité entre tension et intensité, c'est exactement pareil que le fait de dire qu'à chaque fois qu'un coulomb passe d'un point A à un point B, eh bien, son énergie diminue chaque fois de la même quantité. Ici, donc, nous avons une compréhension un petit peu plus profonde de ce que c'est que la loi d'Ohm.